partir d'un contrôle poignet-coude, je vais faire un décalage en barrant sa jambe de l'autre côté. Donc en lutte, il y a différentes positions. Il y a la lutte à distance, mi-distance et au contact. Nous, en grappling, souvent les gens ils ont une position assez neutre, les bras fermés, ils attendent et ils partent à partir de là les techniques. Nous, on va venir chercher d'abord un contrôle, ce qui va me permettre de faire une préaction pour engager mon action, la prise que je veux donc pratiquer. Donc, je vais venir sur un poignet-coude. À partir de là, je ne crains pas grand-chose puisque je contrôle déjà son bras. Poignet, coude. Je vais le déplacer pour pouvoir faire ma technique. À partir de là, je l'ai bien déplacé. J'ai son coude. Je baisse ma tête au niveau de son coude. Ma main va venir au niveau de sa hanche et ma jambe va barrer sa jambe. Je vais pousser. Ça va le faire tomber. Et je serai directement en croix. Poignet coude. Je le déplace.